déjà vu les ovaries. Allez, on a vu comment faciliter l'interruption. L'objectif zakat, c'est l'hémorroïde. C'est pour satisfaire les nécessités d'un musulman. Et déjà, un premier sommet d'objectif en gros, c'est faire l'islam vite pour le bien. Je suppose concernant la première partie de Wal Mu'allafatu Qulubuhum. Ça veut dire, c'est Ben Jimoun qui lui donne le zakat, ou comment le dire, abolit, je fais lire, je dis à mon écart, c'est incapable, un djimoun qui, pas musulman, par exemple, je donne l'exemple, son frère n'est pas oubliant, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait deux lits, peut s'enfuir moins de soleil qu'il a, et s'enfuir à mener vers l'islam. C'est-à-dire qu'on ressent un petit peu de lits au moment que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas encore musulman, il vient d'affaire. Après, il dit pour ça, Mohammed, c'est djimoun plus pire, il va dire qu'il est détesté. Il dit alors, les filles, deux mois, c'est à qui ça, les filles, vraiment, djimoun qui m'oublie contre lui. C'est-à-dire que tout ça, de l'univers des solaires, pas l'homme, il s'en solaire, c'est comme ça. Déjà, c'est vrai. Ce qui est un bon menu comme de Franco, c'est qu'il nous dit qu'il a fouché au boulot. Maintenant, si un djimoun, il a l'autorité, il va avoir un gouvernement, il a beaucoup d'affaires, ce qui nous aimerait donner sa carte, qui peut faire, c'est pour empêcher de faire djito, ben musulman. Empêcher de faire djito, ben musulman, tout va les gens. Ça veut dire dans la guerre Ahzab. Dans la guerre Ahzab, il y a plusieurs factions qui nous soignent. C'est-à-dire qu'il y a en premier un cigare qui est la guerre avec les Juifs. Premier, ensemble avec eux, nous venons avec le grand même Kodesh Maka. Et ensemble avec eux, il y a un tribu mercenaire qui appelle Rotterdam. Tribu mercenaire, ça veut dire qu'il y a un tribu qui va là-bas. À ce moment-là, ça veut dire qu'en maintenant, tu finis en cercle avec les musulmans de Medina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui venait de rendez-vous un réunion secret avec Bagdad. Là qu'il est arrivé, à soir, ça veut dire que je finis une zone, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une négociation. Rasoul, ça veut dire que les gens peuvent tirer alors, c'est qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, allez, on retourne au bout d'une zone entière, récolte Bagdad dans Madina. Ça, d'ailleurs, les gens qui l'ont avant. C'est-à-dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, finit de l'autre qui pouvait là. Pour diminuer sa fraude, c'est-à-dire qu'à sa force l'ennemi. Mais c'est moi, finalement, vous êtes déjà arrivé quand maintenant, sur le gros bout, sur la moitié, et que ben, ça a pas parmi la peau, finalement, c'est pas foutu de la peau. Mais les choses que vous tirez là-dedans, c'est qui, lorsque vous sortez, c'est qui t'y propose. C'est-à-dire qu'il fait, lorsque vous propose de ça, et tiens, pour qui, ça, l'ennemi qui était là envers l'islam, pour diminuer sa fraude. Et le petit chose en compte, c'est qui, nous pouvons parler de zakat par exemple pour augmenter un djinn sur l'iman. Surtout, donc, maintenant je vais dire une condition. C'est qui de dire moi par exemple si tu as un chef tribu, etc. Il y a un peu de société, ça veut dire qu'il y a des followers beaucoup. C'est-à-dire que pour autant qu'on a un chef tribu, il peut convertir, il peut rendre l'islam. Plus sur un tribu pour aller pour suivre, il peut convertir pareil. Donc, pareil comme ça même. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait pour Makkah, ça veut dire plusieurs chefs de tribu qui tiennent. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais de Dieu, ça veut dire que maintenant tu vas convertir à l'islam, tu vas convertir. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui tu veux dire, tu fais de Dieu pour centaines de samoukali, beaucoup de samoukali. Ça, c'est le tribunal de 800 samoukali. Le chef de tribu devrait donner 900 samoukali. Il y a les mêmes comme ça. Ce qui fait, c'est que pour qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on dit, lui, harmonie ou se pétir. Et il manque pour tout le dire. Il y a plusieurs qualités ben kafir. Il y a une qualité, une classe par exemple, en plusieurs catégories. Il y a une qualité qui vous finit ce qui est vous finit raisonner, qui vous finit comprendre. Vous comprenez bien ce qu'on a pensé de l'islam. Il y a une qualité qui je ne veux pas comprendre. Qui je que vous avez un effort en plus pour conquérir, je pétir. Et il y a un manque qui va dire, je trouve que vous avez de générosité, ça veut dire, enfin, vous devez nous dire quelque chose. Et dans les compréhensions sur le droit pour aller au sein, c'est un djinn qui finit en passant ça. Il finit en passant ça, mais à cause d'un guerre matériel de lui. Il finit en passant ça, à cause d'un guerre matériel. Donc, en ce sens, une demi. Mais c'est dans sa même djinn, quand il commence en Afghanistan, il dit comme ça, que l'islam fait mine. Meilleur pour lui, le plus grand dans l'islam qui démonte avec tout ça qu'il a là-dedans. C'est-à-dire qu'il est arrivé parce qu'il fait ça. Ça ne sert pas si on connaît 5 dents sur les guerres. C'est-à-dire que dans sa
même quand nous filmons ce là, c'est même quand que nous sommes capables d'un indigène Zakat, du moins dans sa carrière courante dans la dernière fois, où elle l'a fait dit, pour le Gouroum, donc devant la Fadon, qui a la récompense de l'Occident, subhanallah et Bobby Hambi, subhanallah et Bobby Hambi, bien sûr, il y a un, 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 il y a